Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron et bienvenue pour ce premier épisode de cette saison 1 de mon Let's Play sur le jeu Prison Architect. Et c'est pas vraiment la saison 1 en fait, étant donné que j'ai fait une première saison sur une version antérieure du jeu, qui était en fait une saison découverte. Donc en fait là je considère que cette saison-là est la saison 1, la vraie, la vraie, voilà, la légitime, la canon. Et voilà, donc Prison Architect, je vous invite évidemment à regarder du coup la saison découverte un petit peu. Prison Architect, c'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui avant sa sortie en version complète sur Steam. Ce qui est un peu bizarre, c'est un peu dommage. Pourtant, il a des mises à jour assez régulières, c'est plutôt cool. Et voilà, donc je voulais un petit peu repartir un peu dessus pour faire une nouvelle prison. Objectif, garder 200 prisonniers. On avait fait 100 la première fois en découverte. On va essayer de garder 200 avec les nouvelles améliorations qui ont été ajoutées durant les mises à jour. Donc, on va créer une nouvelle prison. Et une prison, je vous propose, on va se faire un truc un petit peu à la Orange is the New Black, donc la série diffusée en France sur Netflix, mettant en scène une prison de femmes. Je dois dire que j'ai vu les quelques premiers épisodes, et puis au bout d'un moment, ça m'a un petit peu saoulé. Ça allait pas bien loin, c'est sympa au début, mais bon, au bout d'un moment, ça allait pas assez loin pour moi. Du coup, voilà, j'ai un peu décroché. Même s'il paraît qu'elle est super bien, tout ça, voilà, j'ai un peu décroché, mais du coup, je me dis, allez. Au lieu de faire une prison de mec, on va faire une prison de nana. Pour une fois, ça va être assez drôle. Alors, on peut choisir aussi Warden. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je suppose que c'est le chef, enfin la personne, le directeur. Hein, quelle qualité de directeur on va prendre? Donc, soit on prend le mec de base. Donc, voilà, comme c'est écrit, the most balanced individual on the planet. Donc, la personne la plus moyenne de la planète. Soit le lobbyiste. Donc, il a. Nana. Donc il reçoit beaucoup de gens qui sont violents, avec catégorie violent, létal, donc mortel quoi. Volatile, donc mecs qui ont tendance à se barrer. Deadly, mais c'est quoi la différence entre létal et deadly? Je sais pas trop. Fighters, bon, bah, combattants, voilà. Rita, I've likelihood of prisoner being social or fearless. D'accord. Vous savez quoi, j'ai pas trop envie de me casser la tête, on va prendre le Warden. Classique. Alors ensuite, on va faire une nouvelle prison, une grande prison, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va prendre zone masquée. Bah oui, ça, le brouillard de guerre, c'est indispensable, sinon le jeu n'est pas drôle. Les lacs, c'est un petit peu embêtant. Les bâtiments, un petit peu embêtant aussi. On va mettre des gangs. Les gangs, ça peut être cool. Les événements aussi, ça peut être cool. Je sais pas du tout ce que ça peut faire. Le weather et température, ça c'est sympa. Ça oblige le jeu à... Enfin, ça oblige... Ça nous oblige, pardon, à utiliser la température. Et tools and cheats, ah non, c'est pas drôle. Les tools, tout ce qui est cheat, j'aime pas trop ça. Je trouve ça pas très drôle. Ok, donc on est parti. Et évidemment, je vais faire un truc quand même. Y a pas les contrôles? Non. Donc je suppose que. Ouais, voilà. C'est évidemment, il faudrait que je passe mon clavier en QWERTY, mais c'est pas grave, je vais utiliser les flèches. On est parti, ça y est. Donc on a comme terrain ici, c'est plutôt bien. On va refaire un petit peu comme ce que j'avais fait dans le. Dans l'esprit découverte, voilà, ça y est, je vais y arriver. Une prison sur le même principe. Un peu sur le même principe, je pense que ça va être bien. Donc déjà, on va mettre ça là, ça là. Alors, ce que je me souviens plus, par contre, la taille des premiers objets. Non, c'est les services, voilà. Donc il faut que je rajoute une ligne de plus de manière à pouvoir poser les batteries tout autour. Je me souviens pas. Voilà, il n'y a pas d'objets qui vont plus grands. Donc maintenant qu'on a indiqué la taille, on va pouvoir poser le premier bâtiment. Donc 25 mètres, c'est pas mal. Shit, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Est-ce que c'est assez grand? On va revérifier parce que du coup, je me suis un peu paumé. Ah, c'est un poil trop grand. On va rechanger alors. Voilà, là on va y arriver. Normalement, là c'est bon. On fait la même chose de l'autre côté, donc 25. Voilà, donc là nous avons les deux parties qui concerneront donc les services de base. Donc là, on va avoir l'électricité et là, on va avoir la flotte. Donc les premiers services sont là. Donc on va mettre une porte du personnel ici, une porte du personnel là. Les condensateurs, il va m'en falloir
au moins 2. On va démarrer avec 2, ça va être déjà ça. Ensuite, bon, la flotte, on la fera venir plus tard. Donc les portes sont là. Ah oui, je vais faire l'entrée quand même. Indispensable, l'entrée. Hop, une entrée en sas, c'est plutôt pas mal. Voilà. Non, crétin. Évidemment, il n'y a pas le contrôle Z. Je me suis un petit peu raté. Ok, donc là, on va pouvoir recommencer. Oh mais non, mais habitude de banished en fait. C'est une grosse habitude de banished de cliquer droit à côté comme un abruti pour annuler la sélection. Voilà, en espérant que ça va bien passer. Non. Voilà. Voilà, donc ensuite, il va falloir faire les autres parties. Donc là, on a 7. Il va falloir que je mette une cantine. Une cantine des douches. Un jardin. On va commencer. Il faut. Je vais vraiment avoir besoin de ma thune. On va faire du 50 de large. 50 de large, ça fait quand même beaucoup. Alors, on va voir. Donc si je fais 43 ici, normalement, ça fait 50 de large. Oh, ça va en fait. Alors je suis désolé, c'est pas le moment le plus marrant, hein, le premier épisode. C'est essentiellement de la construction. C'est la base. Pas trop le choix. Il nous faut construire un début de prison. Tout simplement. C'est indispensable. On va mettre. Je vais directement mettre la cour. Voilà. Donc je vais essayer de laisser les passages de 3. De 3 de large, de manière à pouvoir avoir un peu de place. Donc alors attendez, parce que là, ça fait combien? Là on a 24. On va taper dans le 25. On va le faire assez grand. Voilà. Ah oui, il y a un truc qu'il faudrait que je fasse du coup. Bon, lire la lettre du dirigeant. Ok. C'est où déjà? Rapport. Subvention. Voilà, c'est subvention que je cherchais. On va avoir besoin de subventions. Donc, on va avoir besoin d'une cellule de détention, une douche, une cour, une cuisine, une cantine, au moins 2 gardiens. Et au moins 2 cuisiniers. On aura besoin de thunes. Du coup, je vais prendre le centre de détention déjà. Basiquement. Ensuite, il va falloir que je mette. Un portail routier? Oh, ça c'est de nouveaux trucs. Il y a plein de nouveaux trucs qui sont sortis. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas trop rejoué. Enfin si, j'ai rejoué il y a quelques jours, histoire de me remettre un petit peu dans le bain. Mais je dois dire que j'ai pas trop poussé plus que ça pour l'instant. On va la mettre bien en face, de manière à éviter les embouteillages. Est-ce que je l'ai mis en face? Ouais, je crois que je l'ai mis en face. Pire, c'est pas très grave. Donc voilà, on a fait une partie. Je vais faire une grande cantine en face. Alors attendez, parce que j'ai beaucoup trop mis de place. 1, 2, 3. Une très grande cantine. Mais j'ai envie de dire, la cantine, c'est quand même quelque chose de vraiment important. C'est vraiment un bâtiment qui est vraiment important parce que c'est là où les gens peuvent socialiser, manger, ce qui est aussi. Une priorité. Alors, donc on va avoir besoin de cuisinière. Il y a marqué quoi? Empêche vos provisions alimentaires. Ah, de pourrir, j'ai cru. Empêche vos prisonniers de mourir. Quoi? Ok. On va voir. Est-ce que ça rentre? Parce que le problème, c'est que là, ouais, 4, 4, ça fait 6. Si je m'en mets 2. Non, on va les laisser comme ça. On va les laisser comme ça. Je vais mettre 2 cuisiniers et un évier. On pourra agrandir plus tard. Donc que je rebase un petit peu, ben même plus qu'un petit peu, clairement sur le même principe que la saison précédente, bien évidemment. Hein, je pense que pour ceux qui l'ont vu, vous reconnaissez. Ça, c'est un principe qui marche bien. Je trouvais que la façon de faire marchait vachement bien.
Et du coup, j'essaie de le reprendre un petit peu. Voilà, donc on va commencer à faire la première cellule de détention là-haut. Donc les cellules de détention. Zut, j'ai oublié de fermer le Discord, donc c'est possible que ça fasse un peu de bruit, je suis désolé. Mais si je change d'application, bah, ça va tout casser. On va faire nos premières cellules. Oh merde, j'espère que ça va pas trop faire de bruit. Je suis désolé. Désolé, je crois que les cellules, ça va au niveau de la taille. Attendez. Je crois que c'est bon. Sale, sale, sale. Cellule. Cellule, c'est combien? 2 par 3. Elle pourrait être même encore plus petite. Mais encore plus petit, c'est chaud. Ouais, encore plus petit, c'est quand même vachement chaud. Du coup, peut-être que 2 par 4, c'est bien. 2 par 4, c'est très bien. Quoique, non. On va les faire 2 par 3. C'est pas cool, mais si on veut avoir 200, on va avoir besoin de les faire 2 par 3. Du coup, ça veut dire qu'on en a un là, un là. J'essaye donc aller 10. J'essaye donc aller 10. Donc là, on en a 4, 5, 10 par cellule de détention. Même pas, on pourrait en caler plus. Si on peut descendre jusque là, si on fait des allées et venues comme ça. Ouais, on peut en caler plus. On peut en caler 12. Donc avec 2 d'espace, histoire d'être un peu large. Non, par 3. Ok, donc on peut faire un bâtiment de cette taille-là. Ce qui m'embête un peu du coup, parce qu'en fait, le bâtiment d'à côté, il risque d'être tout petit. Nécessite entrée, oui, c'est vrai, nécessite entrée. Hop, la porte bien au milieu. Voilà. Ah oui. Et là, c'est pas ouf. On va pas que j'oublie de refaire un mur là. Est-ce qu'on peut le mettre directement là? Non, on peut pas encore le mettre. Bon, faudra pas que j'oublie de refaire un mur, mais c'est pas très ouf comme. Comme taille. Je me rends compte que c'est légèrement trop petit. Bon, c'est pas grave. On va aussi faire courir les services. On va en profiter. Parce que ça va être important aussi. On va essayer de les faire courir un petit peu dans les allées. Ouais, en fait, du coup, je me plante un petit peu. On voit qu'il y a des espaces qui vont être non utilisés, bêtement. Ce qui est pas génial. On va faire courir la tuyauterie aussi. Ok, donc là, on aura déjà un minimum. On va y aller. On va laisser en. Oh la vache, j'ai plus que 8000. Ok, on va les laisser commencer à construire. Il va falloir peut-être un petit peu plus de personnel d'ailleurs. Ça me fait mal au fion, mais ça va être indispensable. Ok, on va voir comment ça va construire. Je vais ensuite réfléchir un petit peu à la suite. Notamment les. Qu'est-ce qui va manquer? Parce que là, la douche, c'est en préparation. La cellule de détention, c'est en préparation. La cour, c'est en préparation. La cuisine, c'est en préparation. La cantine, c'est en préparation. Et le gardien de cuisinier. Oh, mais j'aurais déjà tout fait. La cellule de détention, absolument pas. Je suis désolé. Je suis complètement oublié. Non, la cellule de détention, je ne l'ai pas fait. Par contre, on va pouvoir faire un autre bâtiment. À partir d'ici. Je sais pas trop quelle taille je peux lui donner. Ah, il faut insuffisant. Ok, j'ai pas trop le choix. Cellule de détention, on peut la faire là-dedans en fait. Hop, on fait du 7 mètres. Comme ça, on pourra même faire une cellule. Enfin, une zone administrative. Ok. Port de prison, voilà. Dans l'idéal aussi, si j'ai assez de thunes, j'essayerai de faire de mettre de la pierre un petit peu partout sur le sol pour que les habitants aillent plus vite. C'est plus pratique. Ah, et je me rends compte que j'ai pas du tout fait le reste là. C'est pas le GGI. J'ai encore plein de trucs à faire. Hot water pipe. Water boiler. Oh. Alors ça par contre, ça va être chaud. Parce
parce que je sais pas encore bien le gérer. Enfin, je sais pas le gérer du tout, même. Parce que water boiler, c'est... un truc, c'est un chauffe-eau. Voilà, c'est un chauffe-eau, donc généralement, dans les maisons, c'est genre un tumulus ou des trucs comme ça. Donc je suppose qu'il va falloir faire courir de l'eau, vu qu'il y a des hot water pipe, de l'eau chaude. Oui, oui, oui. Ce qui est une mauvaise nouvelle, en fait, en soi. Un peu. Ce qui est un peu une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire qu'il va falloir se débrouiller pour faire courir de l'eau chaude. Donc je démonte les portes. Je les remette bien. Parce qu'elles sont pas du tout bien mises. Ah non, bah alors du coup... Hop, on va les enlever. Voilà. Cool, ça avance. Alors, popose. Popose, popose. On va faire courir l'électricité là-haut. On va faire courir la flat là-haut. Et on va pouvoir commencer à installer au moins les deux premiers. Donc... Voilà, donc on va mettre deux portes du personnel. Voilà. Les portes, elles ont un problème. Elles n'étaient pas comme ça avant et ça m'embête un peu. C'est un peu moche. Table de service. Ah ouais, du coup je me suis un peu planté aussi. On va commencer par mettre les premières... Ah, étape de visiteur, non. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Bon, table, voilà. Les premières bancs. Les premiers bancs, pardon. Allez, par contre, on va peut-être pas les coller comme ça. Directement, on va mettre un petit peu de place. Ok, donc là, normalement, pour les 8 prochains prisonniers, on va aller. C'est pas un problème. Ensuite, je vais pouvoir faire la première salle de cellule de détention. Nana. Ouais, ça c'est bien. Cette taille-là, ça a l'air d'être bien. Il faut quoi? Toilette, banc. Eh ben allons-y, toilette, banc. De toute façon, ça sert à rien en fait cette salle. Enfin, en tout cas, quand on sait gérer, ça sert un peu à rien. Étant donné que c'est la salle où les gens attendent quand ils n'ont pas de cellules. Ce qui sera, j'espère, pas le cas pour la plupart des arrivages, même tous les arrivages. Dans l'idéal, il faudrait que je n'ai jamais besoin de cette salle. La cour, la cour, la cour, je peux la mettre maintenant. C'est une grande cour. C'est nickel. Bim. Alors la cuisine. Ok, et la cantine. Ok. On est bon. En tout cas pour une partie. Relâchons un petit peu tout ça. Release the Kraken. Va falloir vraiment que je me prenne un nouveau contrat. Parce que là ça va devenir urgent. Alors propose. On continue. Il me faut... Est-ce que c'est bon? Fonds insuffisant. Foutage de gueule. Un nouveau contrat. Salle médicale. Ok. Ok, pas le choix. Il va falloir que je finisse le... La douche le plus vite possible. Ah, oh, je me suis raté. J'ai mis des briques pour celui-là. Bon, ça va être moche, mais c'est pas grave. Faut que je finisse la douche le plus vite possible. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais mettre ça là. De manière à pouvoir mettre... une bouche d'évacuation. Elle est où? Ok, elle est. Bouche d'égout, voilà. Parce que sinon, après, ça... Ça fait des problèmes. L'eau, elle coule dehors, en fait. Quand il y a des coins, l'eau, elle s'écoule comme ça. Ce qui est pas cool. Donc, je suis obligé de mettre des murs, là. Alors. Où sont les pommes de douche? Donc, intimité 0. Dans les douches. On va peut-être pas mettre toutes les douches pour l'instant parce que ça coûte un peu cher. Surtout que j'ai pas fini la moitié de ce que je voulais faire. Damned. Ok.
La question est-ce que ça a besoin de hot water pipe ou pas? Je sais pas trop comment on peut le voir. On va bien voir, bon c'est pas très grave. La cantine elle est en train de se faire. La douche, je vais mettre la salle de douche. Douche. Il manque des pommes de douche. Il va falloir que je fasse venir l'électricité aussi. Voilà. Ah ouais, là aussi ça manque d'électricité. Et les toilettes. Pas oublié. Hop. Bon, en tout cas, ça avance quand même bien. Ouais, j'ai pas fini. Voilà, ça y est, c'est quand même éclairé. Normalement, l'électricité devrait arriver jusque là-haut. Oh la vache, la masse de trucs à faire. Et maintenant, il faut au moins que j'embauche deux gardiens. Et deux cuisiniers. Et bim! Ensuite, le bien-être du personnel, c'est cool. Il faut que je fasse maintenant. Maintenant que j'ai pas du tout de personnel, ça peut être pas mal. Comme ça, je fais une salle du personnel. Parce que c'est un défi qui est très chiant. Il faut s'arranger pour qu'il n'y ait aucun... voilà, aucun employé soit épuisé. Du coup, il faut le faire au moment où on le sort des employés. Voilà, au moins 5 gardiens sont tâches assignées. Du coup, il va falloir que je sorte des gardiens. Je vais faire une salle du personnel. Combien il faut? La salle du personnel. Taille minimum, 4 par 4. Enfin, 5 par 5. C'est très bien comme ça. Mur en béton. Tac, tac. Je vais mettre une porte. Ça peut être très utile pour rentrer dans la salle. Et il faut quoi? Canapé large, distributeur de boissons. Ok. Bunk, bed. Ah, lit à baldaquin. Non, pas lit à baldaquin du tout. Digigogne. Donc, lit à deux étages, pour ceux qui connaissent pas. Lit à baldaquin, c'est absolument pas ça. Qu'est-ce que je cherchais? Ça, je cherchais ça. Canapé large et distributeur de boissons. Faudra aussi que je m'occupe de la cour, mais pour l'instant, j'ai pas assez de thunes. Il faut que je m'occupe des cellules. En toute urgence. Maintenant qu'on a tout qui est en train de se construire. Les gardiens, il faut que j'en achète. Voilà. Trois autres. Vu qu'ils n'ont pas de tâches à signer, c'est cool. Et il va falloir que je commence à se faire les cellules. Allons-y. Pour le modèle de cellules basique. Mais terriblement performant. Oula. C'est un petit peu ramouillé là. Voilà. Donc vivement que j'ai le copier-coller qui soit débloqué. C'est pas tout de suite. Ah, il faut que je fasse des bureaux aussi pour les centres administratifs. J'ai trop de trucs à faire. J'ai tellement de trucs à faire. Donc faut quand même que je remplisse les salles. Voilà. Cribs, qu'est-ce que c'est qu'un crib? What? Je sais pas trop ce que c'est. Allons-y pour les lits. On mettra des toilettes juste à côté du lit. Et on se croira dans le film. C'est quoi? C'est Les Évadés? Un film culte où il s'échappe de la prison d'Alcatraz issu de. Enfin, issu. Tiré de l'histoire des seuls évadés d'Alcatraz qui ont eu. Je sais plus qui y a dedans. Je sais plus du tout. Il est très bien comme film. Il est très très bien. J'adore le revoir. Mais je me souviens plus du tout s'il s'appelle vraiment comme ça. Bon. Ceux qui arrivent à voir. Enfin, ceux qui savent de quoi je parle, essayez de me le dire en description. Je me souviens plus du tout. Truc de fou. Ah oui, santé et bien-être, j'ai lancé. Bon, la salle du personnel va être vite construite, je pense. L'idéal, ça serait qu'on le fasse vite. Quelle heure il est? 5C41F, quoi? Je sais pas trop de quoi il parle.
On va voir où ça en est. J'aimerais bien avoir les 10 000 de flouze issus du bien-être du personnel. Ça serait vraiment génial. Bon, là. Ah, il me reste 11 heures. Oh, j'ai largement le temps. J'ai largement le temps. Bon, après, je suis un peu désolé, évidemment. Les premiers épisodes, c'est toujours que de la construction. Ce qui n'est pas forcément le mieux, parce qu'après. Oula, quoi? D'accord, j'ai fait un truc. Il semblerait qu'on peut voir l'assignement. Des tâches. Voilà, ça y est, hop. Pause. Entretien prison, tout ce qui est centre d'entretien, deux bureaux, directeur, les finances, comptable. Allez, on va faire les bureaux, tout ça. On va en avoir besoin. Bureau, bureau. Nickel, c'est pile la bonne taille. Non, c'est pas là. Oui, si, c'est là. Alors, les portes. Je crois que je me suis juste planté en posant les portes. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc, du coup, je vais peut-être. D'accord. On va démonter. Et je les remonterai. Et je les remonterai dans le bon sens. Parce que actuellement, c'est un peu très nul. Faire passer l'électricité. Voilà. Donc dedans, il nous faut une chaise. Classeur. Non, classeur, pas chaise. Et un bureau. Nickel. Comme ça, on pourra engager un directeur. Ah merde. Il s'est un peu retrouvé coincé. Oui, ok, c'est bon. On aura nos cellules qui seront prêtes dans pas longtemps. D'ailleurs, je vais poser les. Je vais poser directement les cellules. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir rapidement le déploiement pour mettre les gardiens aux bons endroits. Les patrouilles, tout ça. S'arranger pour que ça soit bien gardé. Alors, par contre, c'est un truc qui est assez drôle, il semblerait. C'est que ça. Ah, je sais pas si c'est si c'est vraiment le cas. Je sais pas si dans les prisons. Là, on aura une prison de femmes. Je sais pas si dans les prisons de femmes, les gardiens sont aussi des femmes. Je sais pas. Je dois dire que je me suis pas trop renseigné là-dessus. On va embaucher le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Vous avez le droit à votre petit bureau. Débloquer les finances par le biais de l'administration. Administration. Finance. Il va falloir que je débloque la sécurité aussi. La maintenance. Il va falloir que je débloque tout. On va commencer par ça déjà. Ah, et la santé. Vu que c'est un défi, il faut que je débloque la santé. Ok. Eh ben, c'est très bien tout ça. On commence à avoir quelque chose d'à peu près propre. On commence à avoir quelque chose d'à peu près propre. C'est nickel. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer un peu à agrémenter. Les autres parties. On va agrémenter la cour. Mettre des trucs genre des bancs de muscu. On va mettre 6. Ça veut pas passer. Bon bah, à cause de l'arbre. Des cabines téléphoniques pour avoir accès. Non, hop. À l'extérieur. Une table de billard extérieure, c'est pas cool, mais c'est pas grave. Une grande TV. On va mettre des chaises. Ah, les mecs, ils seront pile devant, c'est débile, mais c'est pas grave. Une armoire à arcade. Oh oui! Oh, ils vont en kiffer. Je vais mettre une dans la salle de repos du personnel. Ah oui, c'est 500 quand même. Mais non, j'ai pas assez de thunes à péter. Un hôtel à l'extérieur, c'est pas génial. Par contre, je pourrais mettre un distributeur de boissons. Bon, certes, c'est un peu dangereux, mais je pourrais mettre un distributeur de boissons. Une radio, c'est cool, une radio, c'est pas mal aussi. Surtout quand on fait la muscu, voilà, un petit peu de bruit de fond pour faire du sketching, c'est cool.
Voilà. Crib. Je sais pas ce que c'est que Crib. Je pense qu'il faudrait que j'aille regarder ce que c'est. Les étagères, non. Il y a d'autres équipements. Tapis de prière. Ah bah oui, parce qu'un autel, ça suffit pas forcément. Pour certaines religions, t'as besoin d'un tapis. Radiateur. Ah merde, ouais, c'est vrai que la température, tout ça, il va falloir que je mette des radiateurs. Mettons des radiateurs. Ah oui, mais les radiateurs ont besoin d'eau chaude. Du coup, je pense qu'on va faire un truc pour faire chauffer de l'eau. Je pense qu'on fera un truc pour faire chauffer de l'eau et on mettra un hot water pipe. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc on a évidemment 8 prisonniers donc qui arrivent dans pas longtemps. On arrêtera l'épisode quand ils seront tous là. Ça fera un grand épisode, mais le premier épisode est toujours un petit peu plus long, surtout quand c'est que de la construction, autant que vous voyez un petit peu jusqu'au bout, que je vous explique un peu ce que je fais, tout ça. J'allais dire que je l'ai mis totalement dans mon sens, mais non, dans le mauvais sens. Mais non, en fait, j'ai mis dans le bon sens. Je suis très très fort. J'ai failli me planter, mais je suis très très fort. Voilà. Ok. Voilà, c'est donc ça. Quand c'est rouge, c'est que ça a besoin d'eau chaude. On va le caler là et on va mettre du hot water pipe. Ah, ils ont aussi besoin d'eau chaude. Là aussi. Ah, cet enfer. On va voir si ça passe. Je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Contrôle plus left click pour mettre en high priorité. Mais j'avais pas lancé les finances en prio. Oh, il a fait le dernier en prio. Oh merde, bon. D'accord, il faut de l'électricité, on peut le mettre, c'est pas un problème. Ah, mais c'est à l'extérieur. Ah, oh, c'est moche. Ah, je me suis un peu planté là. Ah merde, bon, c'est pas très grave, mais. Pas génial, ça va pas être très beau. On va voir comment ça fonctionne ce truc. Donc, je construis une salle médicale, je pense que je vais la mettre ici. Mais comme j'ai pas encore accès. Voilà, hop. Salle. Je dois pas encore y avoir accès. Allez, plus qu'une heure. Ah, c'est pas mal ça, j'avais pas vu le truc qui fait devient noir. Il devient noir quand, quand on passe dessus, là on voit les espaces qui sont réservés à ça. J'ai fait un truc, non? Oui, peut-être. D'accord, là le personnel va commencer à se toucher un peu la nouille. En tout cas, le personnel de construction. Du coup, on va commencer à en virer quelques-uns. Hop, voilà. Coûte un peu moins cher. Même s'il n'y a pas de frais de frais de licenciement. Je sais pas trop pourquoi m'attaquer parce que j'ai plus des masses de thunes. Et la salle médicale peut pas arriver tout de suite étant donné que j'ai pas la santé, étant donné qu'on vient. Ah d'accord, on vient de finir la maintenance, on va avoir le droit à la sécurité. Ce qu'on va faire, voilà, il nous reste un petit peu moins de 20 secondes avant que les messieurs n'arrivent. Oula, je vais mettre je vais mettre, comment ça s'appelle? Une batterie, parce que là, il n'y en a plus assez, c'est là-dedans. Pas un interrupteur d'alimentation du tout, une batterie. Je vais continuer à virer un petit peu quelques ouvriers, parce que là, ils vont bien se toucher. Je vais commencer à faire de nouveaux bureaux. Et on va pouvoir les accueillir gentiment. Hop. Donc
faut que je mette les portes dans le bon sens. Ça peut être une bonne idée. Non. Oula, oula, oula. On va remplir les salles. Hop. Je l'ai pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ok, c'est parti. Voilà, ça y est. Nos premiers prisonniers féminins arrivent. On va mettre en vitesse normale. Oh, il pleut. C'est cool. Enfin, c'est cool. Pas vraiment, mais... Ouais, c'est sûr que pour leur premier arrivage, c'est pas cool. Donc, il y en a 7 qui arrivent dans 8 heures. Donc, il faudra que je fasse une nouvelle zone de cellules. Et je pense qu'il y a la place en dessous. C'est cool. Ah oui, mais j'ai pas encore le déploiement. Ah, mais ça va puer du slip. J'espère que ça va aller assez vite. Donc, nous avons. Un prisonnier... Comment on peut savoir? Ah, psychologue qui pour avoir les besoins. Non. On va pouvoir voir ailleurs. On peut pas avoir des informations? Comment on fait déjà pour avoir des informations? Voilà, c'est ça, rapshit. Condamnation, homicide, faux témoignage. Alors, on est un homicide involontaire. Vandalisme. Faux en écriture, contrefaçon. Voilà, c'est cool. Enfin, c'est cool. Non, pas du tout, mais voilà. Nous avons déjà nos premiers équipements. Alors, on va mettre contre-mètre. Hop. On va en avoir juste besoin d'un. Et j'ai envie de dire qu'on va s'arrêter là, en fait. Vaut mieux s'arrêter là, comme ça on pourra reprendre sereinement dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette reprise de Prison Architect vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À me dire aussi ce que vous pensez aussi des améliorations de l'audio. Est-ce que vous pensez que c'est mauvais? Est-ce que vous pensez que c'est bon? Tout ça. Je ne sais pas trop encore ce que ça peut donner. J'essaie de m'améliorer au niveau de l'audio. Par contre, évidemment, comme je tourne la série en avance, je ne pourrai pas tout prendre en compte tout de suite. Donc, si ça se trouve, la série sera faite directement avec les modifications. Ça ne vous plaira pas. Mais j'aurais pas pu le changer étant donné que bah, je vais faire la série d'un coup avant que vous ne puissiez voir le premier épisode. Voilà, donc bah, c'est pas grave. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.